Je m'en excuse de retour. Pour cette une, ce top 8, Metal Fox Melgin. Bah ils sont en warm-up là. Du coup genre sont en warm-up, ça va être un Fox dis-toi à croire. On va pouvoir attaquer, je m'excuse de ce petit moment de blanc, les deux joueurs sont prêts, ils se connaissent très bien ces deux joueurs, ils se connaissent à merveille. Ils ont l'occasion de tester relativement. Et bon. Du coup ça va attaquer. Du coup, c'est comme directement. Fox Zito, Maritans, Final Destination. C'est comme ça qu'on aime mêler. Bien évidemment, je plaisante. Bref, Metal Fox avec un Fox vert. Melgin avec un Fox orange. Et Metal Fox dans une grande forme pour le moment. Joli super en couverture du grand saut de Metal Fox. Encore une fois, ce grand saut pour bien couvrir la présence de Melgin. Melgin qui est très défensif. Là où Metal Fox par contre inversement est très agressif. C'est deux Fox très différents qu'on va avoir s'affronter là. Et pour le moment. Oh très beau shine au milieu du chain grab, hein, c'est pas évident à faire. On dirait pas comme ça parce que c'est vraiment pas évident. Faut faire une délit très particulière, trop sur l'adversaire en shine, c'est compliqué. Et là du coup Metal Fox ne le lâche pas, il prend des gros dégâts, up smash direct. Il a pas le temps, il est coin sur ce bord et mine de rien il le fait tomber encore une fois. Ça met la petite pression, ça revient avec ce side B. Ça essaie de zoner, ça reprend la distance vers le centre, tranquillement. Un peu des blasters, le petit neutral qui passe. Il attend encore un peu, toujours vers ce mur. Maintenant, Metal Fox préfère reculer avec son machine. La boîte s'approche au bord. Je sais pas, il a peur. Là, il se passe d'un coup. Up throw, hyper qui passe magnifiquement bien. Et le trade, malheureusement, Melgin qui perd sa stock sur ce trade. Metal Fox qui a failli perdre, mais non, c'est resté en. Joli de la part de Metal Fox, belle pression en termes de Drill Shine. Melgin maintenant inverse complètement tout. Et ça fait mal. De stock. Ça devient assez compliqué pour le moment. La petite pression qui passe. Petit double jab, ça passe crème. Le petit drip. Up throw, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et c'est parti, il enchaîne avec un cinquième. C'était un peu dégoûtant, mais c'est bien passé ce grand souffle à d'air, mine de rien. Petit drill chaîne comme il fallait. Up throw, allez, ça fait mal. Melgin qui est dans une phase de combo assez fatale. Je lui fais en dire jump shine. Wow! Magnifique recours d'abord de la part de Metal Fox qui a fait une très belle diagonale. Son side B un peu moins bien. Melgin commence à le punir qui n'a pas enchaîné après cet up throw malheureusement. Mais il avait véritablement une très belle phase. Là il a le grab et il cherche up smash. Ça ne suffira pas d'ici au final avec cette grosse blast zone. Star Dodge aurait pu être fini. Petit mur. De Metal Fox qui prend son sébacard. Malheureusement, son grand saut. Melgin se glisse en dessous avec ce wave land instantanément après. Grand saut, pas clair prendre cette stock. Mais Metal Fox n'est pas de cet avis. Il revient et prend la stock directement. One stock match. Directement. Petite pression. Le petit. Oh, backer shine. Le shine qui passe bien. Le drill, ça se tourne un peu autour. Petit grab qui passe. Le deuxième. Le backer qui passe. Ça prend le bord. Attention. Ça attend un peu, Metal Fox coincé là sur ce bord. Melgin qui fait un beau mur, hein, dès qu'il se prend un coup, Crouch cancel shine direct pour le remettre dans le coin. Metal Fox il trouve la faille avec ce grab. Rate le deuxième, malheureusement Melgin a l'avantage. Le jump up smash chargé, prend la stock, prend le match. Melgin 1-0.
Zero Magic Metal Fox. C'est assez compliqué pour Metal, hein, ouais. Enfin, c'est pas compliqué, c'est bête à dire. En fait, donc, voilà, la moindre petite erreur pour un Fox, ça peut coûter de la stock, évidemment, ce qu'on disait. Du coup, la chance, c'est que Metal Fox a commencé à se coincer sur le bord gauche à un moment, et du coup, a accumulé le pourcentage, donc Meljin faisait un mur. Et il a juste gratté. Comme ça, Meljin avait de la marge d'erreur avant que Metal Fox ne puisse le rattraper en termes de pourcentage, sans qu'il avait le contrôle du stage. Et il cherchait pas du tout l'équipe, il cherchait juste le gros kill. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a vu. Up throw, smash bien chargé, la punition et le kill. Là, c'est la phase de counter pick maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Qui va prendre? Quel stage va être pris entre nos joueurs? Pour Metal Fox, surtout. Et du coup, on attaque maintenant sur Battlefield. Metal Fox qui va être bien plus à l'aise de ses plateformes. Ça ne m'étonne pas avec son genre relativement agressif, les Wildlands, ce genre de choses. Par contre, du coup, maintenant, Meljin va pouvoir en abuser et s'amuser comme un petit fou avec cette plateforme. Feinter, je saute, j'en descends, ce genre de choses. Hein. Les joueurs aiment bien ça, hein, forcément. Et là, une bonne petite agence de la part de Meljin qui repousse son adversaire. Le petit biker qui passe bien, il attend. Ça se tourne un peu autour pour le moment. Petite agence de Julie neutrale sur le Metal Fox dans une mauvaise situation. Ah, oh, ce Shun, c'est cette bête très 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 propre. Et le monopole, tout en douceur. Metal Fox qui part avec un léger retard sur ce premier match, mais qui très vite ne va pas l'égaliser malheureusement car rate son GR sur side B. Upper, ce match, il a pas le temps. Et voilà, le truc, voilà, ça se kick ses plateformes maintenant. Il peut coincer avec son adversaire un peu plus haut. En tout cas, coincer sur une plateforme et du coup donner très peu d'ouverture. Jolie chaîne de la part de Meljin qui court, qui suit son adversaire le Fox, mais malheureusement qui rate sa position juste derrière. La petite hashtag dans le bouclier, ça passait bien, ça se tourne un peu autour, le backer sur le Fox. Joli backer. Là c'est compliqué, petit wave dash arrière, le petit backer. Joli shine. Il l'a suivi jusqu'au bout sans aucune hésitation. Meljin a lancé son side B. Non. Mais Meljin qui revient directement, hein, beaucoup de pourcentage pour Metal Fox, il est dans une situation. Meljin qui rate sa position face à B, je pense qu'il aurait pu le choper, je ne sais pas, il est un peu lent sur ce mur de backer, il a raté cette B. Et le backer inverse qui passe et lui prend sa stock, les deux joueurs se sautaient les uns sur les autres, c'était un peu chelou. Mais c'est Meljin qui a chopé le premier hit. Et le hit fatal. Et Metal Fox, cette chienne qui voit une erreur technique de la part de Meljin qui se tape Battlefield sur la tête. Directement Metal Fox de se jette, prend l'edge et shine. Et il a bien raison. Grâce à ça, il relance le match instantanément et maintenant peut se permettre de prendre l'avantage sur cette phase où il impose bien son momentum. Le blaster est un peu étrange par contre. Si tu as comme il faut la dash attaque, malheureusement ça ne passe pas avec le pick derrière, ça se tourne autour, la petite pression. Joli grand son neutral, il voit que Meljin restait sur cette plateforme. Ça se tourne un peu autour, backer dans le bouclier. Waouh, Meljin qui savait. Grand saut repère sur le grand saut de Metal Fox. Le up smash qui sort out of shield directement dès l'erreur de Meljin. Il attend sur le bord joli, il voit l'esquive aérienne. Petit saut le deuxième, mais backer qui passe. Ça prend la stock. Meljin dans une mauvaise situation pour ce deuxième match. Metal Fox qui est bien sur ce counter pick pour le moment. Et il enchaîne. Et ah là, ça commence à faire des petites phases là de tech chasing sur les plateformes. Le Fox a moins d'espace pour pouvoir se déplacer, pour techer, pour t'écrouler. Tout de suite, forcément, l'autre Fox peut en profiter ou n'importe quel autre personnage. De toute façon, hein, quand vous êtes sur une plateforme, c'est moins de déplacement, moins de liberté. Et les sacs qui partent. Et pendant ce temps-là, Meljin prend la stock. Et encore une fois, on est dans une situation de one stock match. Et ça devient très compliqué pour nos. Enfin, ça devient compliqué pour Metal Fox. Jusqu'à l'avantage, Meljin ne l'a plus. Il revient vers le centre pour le moment. Meljin qui descend en dream. Ça passe bien avec ce backer. La guette a pu reboost très vite son adversaire. Ça tourne un peu, le chaîne qui passe, il attend, revient vers le centre, il le repousse toujours à faire ce mur. Ça joue un peu sur la top plateforme, mais Metal Fox qui tout un peu dessus en backer. Le petit, le backer, ça s'appelle des Imagine, ça suffira pas à le tuer, mais il est là, il prend le bord, il court dessus, la dash tag dans le bouclier, ça aurait pu être très dangereux, joli backer. Out of shield, il passe en cross-up avec une autre alerte, évitant tout danger, charge un smash un peu pour un. Meljin qui fait un EB vers le centre du stage, mais Metal Fox qui suit, grand son neutral, prend ce match 1-1. Donc on a maintenant 1-1. Deux Montpellierains qui se connaissent énormément en même temps, hein. C'est un peu compliqué, je veux dire. Les mecs se connaissent comme leur poche, ils jouent toujours ensemble tant pour un tournoi national, hein, avec les joueurs du coup qui se retrouvent ensemble à cet endroit. Bien évidemment, je veux dire, voilà, c'est la classique, hein.
Bon, au bout d'un moment, on rencontre l'un sur l'autre. Et là, c'est le cas. Oh, Metal Fox range son Fox et sort son S pour destination finale. Du coup, c'est le coup d'un peu de Medjin. Medjin qui a vraiment pour prendre bien d'espace. Pas de plateforme. Il va sauter à droite, à gauche. Il rentre pour son adversaire. Mais du coup, grâce à ça, Metal Fox va pouvoir faire des grosses tricks de PR, je pense. Genre comme là. Oh, il rate un biker derrière. Je suis un peu étonné de la part de Metal Fox qui drop sa technique. Lui qui est habituellement relativement propre. J'ai eu le petit biker, ça passe bien pour le moment. Il revient sur du stage. Le triple jab qui touche un bouclier qui malheureusement ne va pas lier sur autre chose derrière. Ça prend un peu ses distances. PPR, ça descend en forward vers le double jump comme il faut. Ça dégaine un peu, mais si c'était trop loin, Ness, tu peux pas faire grand chose. Là où par contre, tu peux vraiment bombarder du blaster. Et c'est là où Medjin par contre, il va vraiment profiter. Joli biker reverse. Je pense pas qu'il est fait reverse. Ça veut dire que t'es un petit qui fout le sol. Hein. Il peut marteler plus vite, tape plus vite 4 coups et il peut le repousser comme ça un peu le permacé. Il faut absolument que Medjin fasse une ligne extérieure. Et là, malheureusement, ce backer qui prend. Ça touche comme il faut. Malheureusement, ah, ça se cherche sur ce spot dodge. Joli shine, mais Betafus a bien mis sur le deuxième saut. Et après le deuxième saut, malheureusement, il a juste fait son esquive aérienne. Punition instantanément, du coup, sur le backer, bien évidemment. Ça charge son F-Smash. Le grab, back throw comme il fallait. Parce que Fox va en mourir. Oui, évidemment, bien que ce soit tout à gauche, la back throw là-dessus, tout à droite. Car oui, la back throw, c'est un foutu qui move avec Ness et mon dieu qui est violent, vous avez pas idée. Joli, ah, malheureusement, ça ne passe pas, c'est assez dommage. Ça se tente le tour, petite pression, ça descend en forward air. Ness qui essaie de s'approcher un peu de son adversaire. Pour le moment, ça se tourne un peu autour, ça se cherche. Mais Medjin qui joue énormément de sa vitesse, il peut feinter un saut très vite redescendre. Là où Metal Fox, par contre, va être coincé avec son Ness dans un grand saut forward air à cause de sa flottiness et de son. Le jump quand c'est ce genre de choses. Metafox va être très stable. Oh, Fighter Upper Packer, il a mis tous les aériels dans la tronche. C'était relativement proche de la part de Metal Fox. Oh, Piqué Fire, au moins il est tranquille. Forader juste derrière comme il fallait. Dash attack un poil trop court, on aurait pu l'avoir, c'est un peu une idée. C'est quelque chose de très 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 sale. Voilà, c'est ça aussi Metafox qui est très fort. Hein. Magnifique Packer après cette dash attack. Oh, dommage. C'est très propre de la part de Metafox qui a tiré juste la queue du EB. Donc il détruit pas le B qu'il a fait tomber petit à petit. Medjin a bourré le B hein, jusqu'à éviter de prendre sa pression. C'était très propre. 3 stocks minimum, énorme pourcentage pour l'un comme pour l'autre. On voit Medjin qui fait des dash dance, c'est pas trop y aller, qui fait des petits de crâle à la Zubinette. Joli, ça dash attaque backer, ça ne suffira pas très bien de la part de Medjin. Et le neutral, bonne couverture, c'est plus solide, c'est plus stable pour repousser l'adversaire, c'est ce qu'il faut. Joli, là le grand saut backer, ça tue directement Metal Fox, deux stocks. Ça va complètement back and forth depuis tout à l'heure. Petit upper qui passe, le grabo ça peut faire mal. Un upper, ça retente un regrab, un poil trop lent, je pense malheureusement. Peut-être qu'il voulait un jab reset, je ne sais pas. En tout cas, malheureusement, c'était trop lent pour en faire ce grab. Comme il faut, le petit neutral air, ça passe. Petit double jump, là, bon, ça se tourne un peu autour, il le met au sol, il le suit malheureusement. Un poil en retard encore une fois, il a le temps de mettre son bouclier. Up throw, upper, ça suffit, 101%. Un pourcentage binaire qui arrache la stock de Metal Fox, hein, juste ça. Ça va assez vite. Oh, ce F-Smash. Aucune pitié. Deuxième F-Smash. Tu n'es pas mal, premier coup que je te dis, mais encore une fois, une situation de one-stock match. Medjin passe complètement son adversaire vers le bord. Tente B, le rate complètement. Et JV2 pour Medjin qui s'en craque les doigts après ce match. 2-1 Medjin Metal Fox. Alors il y avait bien des phases un peu neutres où les deux joueurs avaient c'était difficile de donner qui avait l'avantage. Malheureusement Metal Fox a beaucoup droppé des phases de punish qui devraient absolument pas dropper justement contre un Fox. Là où par contre inversement Medjin lui par contre était et restait très 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 propre sur son jeu de zone, sur son mur. Là où complètement, enfin je veux dire, il y a une tier list dans ce jeu vidéo. C'est pas pour rien que Ness il est bottom, c'est pas pour rien que Fox il est top tier quoi. Il a joué sur tous les aspects qui faisaient que Fox était top tier. Et Metal Fox a chié tous les aspects sur lesquels Ness peut défoncer Fox. J'exagère un peu ce que je suis en train de dire, mais grosso modo c'était un peu ça. Là où voilà quoi, enfin, ouais qu'il pouvait pas l'approcher, il faisait forcément des murs, il faisait minder les déplacements de Fox, là où Fox fait complètement varier, mettre des coups qui étaient bien plus forts, je veux dire sur le forwarder de Ness qui prend souvent la prio, enfin, c'est la petite distance, un peu de spacing. Le backer de Fox passe, enfin, je veux dire, c'est difficile, c'est compliqué. Et il a mis ces quelques stations parfois qui peuvent passer, c'est un peu compliqué. Du coup, on reprend maintenant 2 encore une fois pour Medjin. Metal Fox qui hésitait à prendre Fox, qui revient sur Ness, il est confiant sur Ness.
et on attaque sur Dreamland maintenant. Un stage tout aussi grand, il va pouvoir jouer un peu avec cette plateforme. Je pense qu'il va moins se prendre la tête, il va pouvoir jouer un peu plus, peut-être un peu plus enchaîné. Ça c'était propre, malheureusement comme Fox est tombé au sol, ça l'a wake up et comme la dash attack à 2DS elle est trop faible, bah c'est lui à faire une espèce de relevé chelou pour faire ce qu'il voulait, pas de stun, pas de combo, pas rien. Un peu dommage. Joli up ce match en tout cas. Et Atlist aussi on prend sur Dreamland, maintenant le test ne va pas mourir tout de suite sur Fox. Et ça c'est plutôt important pour Mega Fox. Parce qu'il a perdu des stocks à pas pourcentage, donc il suicide le stock à 100%, genre de choses. Bref, lui je veux dire un edge guard, un guide, tout soit un petit ou un grand stage, il l'aura. Là il a tenté un guide un peu chelou avec ce backer, il aurait pu juste wave land sur la plateforme et suivre ce qu'allait faire Magic, c'est un peu dommage. Magic 36, ce qui fait la petite pression sur l'arrière de la casquette. Là, et là malheureusement le bon petit un poil mal timé. Side B, up air, allez ça passe, ça prend la scène directement. Et du coup Magic qui prend l'avantage sur ce match. Tourne un peu autour, le petit backer, ça le coince, la pression, allez comme il faut, joli foire des repères comme on aime. Le B qu'est-ce qu'il va faire? Il le touche juste, il attend un peu. Oh c'était tenté ce tout le jeu, c'est le foire d'air juste avant d'atterrir, je pense qu'il voulait arrêter le B. Il s'attendait à ce qu'il arrive là, il n'en va pas rater. Mage n'a qu'une lieu au bord de gauche, on renvoie Metal Fox complètement à droite dans les choux. Il est vraiment en situation, Metal Fox maintenant reprend le bord, beaucoup de roulades de la part de Magic pour essayer du coup de reprendre un peu d'espace. Espace qu'il a, qui plus est grâce à cette plateforme là où Metal Fox aura toute belle action. Cette action elle était tellement rapide, il prend la stock au cas où le B neutral. Metal Fox énormément de pourcentage, mais les stocks sont équivalentes. Mais c'est très compliqué pour Metal Fox, il prend ce backer. Non, ne perd pas sa stock, il touche le Fox avec ça, ça lui permet du coup d'avoir légèrement suffisamment de temps pour pouvoir survivre. Joli donner malheureusement. Waouh, ce petit double jump cancel tellement smooth sur le long de la plateforme pour edge cancel derrière, il y avait l'idée, c'était propre. Le petit dodge de Legend normalement de portée avec Fox hein. Ça repousse son adversaire comme il fallait, ça prend un peu la distance, ça attend, joli grand saut backer. Encore une fois la classique de Fox, un petit grand saut, ça coupe de toute façon absolument tout ce qui se passe. C'est leur tout dessus en backer, la faut minder le déplacement de Fox. Faut un truc qui passe, ça ne poursuivra pas derrière. La bombe Magic qui prend encore cette distance, il reste vers l'intérieur du stage. Ça se pense cette dash attack, il est poussé complètement à 3 attaques, il devient un peu chelou. Mais enfin bref, ça tire des blasters. Metal Fox qui va, maintenant il en a ras le bol. Beaucoup de dash attack en bouclier, malheureusement ils sont très bien en puits. C'est excitant, je suis un peu étonné d'ailleurs. Et oh là là, malheureusement, le smash en top plateforme, je suis pas obligé de la part de Magic. Magic qui a un peu se prend ce tonnerre. Metal Fox un peu lent avant d'agir, malheureusement, je crois le suivre, c'est un peu triste. Il attend, malheureusement, pour la dash qui ne passera pas encore une fois dans ce bouclier. Très vite déroule à l'extérieur, hein. Metal Fox a peur. Joli backer, il avait un peu d'espace. Metal Fox, le Fox est encore derrière lui, il est le temps pour un peu d'espace et passe backer. J'ai le seum, pour Metal Fox qui était parti sur un petit truc, malheureusement, suicide. Vu de son regard, je pense qu'il a désespérément le seum. Et la Magic le sait, Magic met la pression directe. Il sait que c'est le moment d'en finir, c'est maintenant, c'est peut-être la dernière stock de Metal Fox. Le comeback va être compliqué. Metal Fox peut pourtant être bien énervé. Et arrête le temps de placer un petit double jump au milieu de la petite phase de Magic quand même des fois que. Et lui prend la stock. Metal Fox toujours pas enterré. Il sort et commence. Oh pour le deuxième saut, un up B. Il attend sur le bord. Il arrête avec ce backer. Attends un peu. Le deuxième backer l'envoie dans l'autre sens. Plus de deuxième. Je suis dégoûté. Bon, malheureusement, Metal Fox nous a pas offert une.